Je pense que c'est important parce qu'aujourd'hui, la Fédération des éleveurs, on voit bien à tous les niveaux, au niveau international, au niveau européen, on a quand même une grosse influence. Même sur France Gallo, on a une grosse influence. J'avais fait un pointage il y a 4 ans, je le referai sûrement cette année. Quasiment, au moins la moitié des 56 membres de France Gallo sont adhérents chez nous. Alors la fiscalité de tout temps, on a eu la chance d'avoir dans nos murs un directeur qui était fiscaliste, c'était Patrice Renaudin, qui m'a appris beaucoup quand je suis arrivé sur la fiscalité. Il faut savoir que de tout temps, la fédération, le syndicat d'abord, puis après la fédération des éleveurs, a été toujours en avance sur tout ce dossier fiscalité et souvent a fait quand même beaucoup avancer les choses. Je pourrais citer par exemple, il y a peut-être une trentaine d'années, Patrice Renaudin, avec ses élus, avait réussi à faire accepter l'immobilisation de nos chevaux. C'est une avancée énorme. Donc là, en travaillant bien sur le dossier, en ayant nombreux rendez-vous à Bercy et ailleurs, il a réussi à avoir une règle qui est quand même très acceptable, puisqu'on peut amortir, immobiliser très précocement et sur une durée courte, ce qui est un avantage énorme pour nos élevages. D'ailleurs, quand il y a 2-3 ans, la présentation de nos comptabilités ont été revues par les services de Bercy, j'ai été très très intervenant et actif pour voir qu'on n'allait pas nous bouger une partie de nos immobilisations. Et en fait, on est resté sur les mêmes immobilisations. Alors le deuxième sujet, c'est un peu le sujet depuis 10 ans, la TVA. La TVA, On va rappeler un peu en faisant court. La TVA, en fait, il y a une dizaine d'années, la France a été condamnée à plusieurs reprises par l'Europe avec ses taux de TVA réduits. Et là, au bout d'un moment, notre État a cédé et nous a bougé notre TVA. On est passé de 5,50 à 20%, ce qui a été énorme et impactant. Enfin, il y a quand même une partie qui était 10% pour l'élevage. C'était quand même très impactant. Et là, je pense que on a perdu beaucoup de propriétaires, c'est surtout les propriétaires qui ont été impactés et certains éleveurs sans sol. Bon, on a gagné une première bataille, elle est récente. On a réussi à faire revenir au moins les services fiscaux sur la TVA des poulains de l'élevage, étalonnage, poulinière, étalon. Et là, on est passé de 10%, on était à 10%, à 5,50. Et il y a quelques semaines, on a à nouveau déposé des amendements. Alors on travaille de façon très étroite avec Jean-Pierre Vogel, président du groupe Cheval au Sénat, et Freddy Certain, qui est président du groupe Cheval à l'Assemblée nationale. Et on a quand même une chance depuis quelques années, c'est que les services de l'agriculture sont très très proches de nous et nous aident dans nos démarches et appuient auprès de Bercy. Donc là, les derniers amendements déposés, qui ont été déposés il y a quelques mois, et on va continuer à l'automne, puisque c'est là que les services fiscaux travaillent pour le prochain budget, le budget de 2024, nous avons demandé à ce que le poulain ait un taux réduit de TVA, autant la pension que la vente. Et après, quand on aura obtenu ça, ce qui va être très important, il faut qu'on essaye d'étendre aussi à nos pensions à l'entraînement. Là, je pense que le combat sera beaucoup plus difficile parce que là, ils sont encore réticents, mais rien n'est perdu. Je pense qu'on peut l'obtenir à long terme. Pour le poulain, on a un petit espoir parce qu'en fait, quand on regarde les taxes, s'ils appliquaient les taxes, on aurait un taux réduit sur le poulain, y compris à la vente. Et d'ailleurs, l'agriculture est tout à fait d'accord avec moi quand on en parle. Et on a d'autres solutions. Avec l'agriculture, on parle aussi d'un rescrit, de faire un rescrit pour faire appliquer les taxes existants. Mais là, ils s'aperçoivent aussi à Bercy que quand on commence à faire des taux réduits sur les ventes, c'est un impact énorme, en argent. C'est en gros, si toute la filière avait un taux réduit de 5,50%, je crois que l'impact il est autour de 150 millions par an. Voilà. Mais d'un autre côté, je vais rajouter comme une anecdote, d'un autre côté, quand le taux a augmenté de 5,50 à 20, l'État, depuis, perd tous les ans 150 millions de recettes avec les enjeux qui n'ont pas augmenté, ou voire qui ont baissé. Donc maintenant, je pense qu'on leur dit régulièrement, mais c'est sûr que les 140 millions ou les 50, on ne va pas les récupérer en 3 jours. Mais je pense que l'État récupérera une partie s'ils font l'effort de nous mettre un taux réduit.